devenue bénévole parce que, à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire du bénévolat? C'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Et puis, l'Association des sourds de la Naudière était dans mon entourage. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer d'aider les personnes sourdes à briser l'isolement. Et peu à peu, c'est devenu de plus en plus grand, cette association-là, au fur et à mesure des années. Mon bénévolat à l'ASL consiste à mettre sur pied des activités. On joue à la pétanque. On organise, par exemple, des épluchettes de blé d'Inde quand ça arrive l'été. On a des groupes de randonnée. On va faire de la randonnée pédestre ensemble. On organise des conférences sur différents thèmes. Dans le but de faire un peu d'éducation populaire auprès de la communauté sourde. Différentes choses. On fait un bulletin qu'on fait paraître trimestriel. Alors, c'est un bulletin d'information qu'on fait paraître pour nos membres. Michel Desjardins, en fait, c'est notre président à l'Association des sourds de la Naudière. Il est très impliqué, très dynamique. Il participe à toutes les activités possibles, à toutes les réunions, tous les comités. Il est très impliqué dans la communauté sourde. Il est très aimé aussi. Les gens lui font beaucoup confiance. Puis, en fait, il est toujours sur le terrain avec nous. Donc, c'est vraiment un président qui est présent pour ses membres, qui est très apprécié. Alors, vous savez, au niveau des technologies, les nouvelles technologies qui émergent, par exemple Skype, FaceTime, comment on installe sur soit notre tablette ou notre téléphone intelligent. Alors, les personnes sourdes, parfois, ont un peu de difficultés. Alors, nous, on les rencontre et puis on les aide à installer ces différents outils pour permettre la communication virtuelle. Qu'est-ce que me donne le bénévolat? La chance de rencontrer différents organismes communautaires, d'entendants, aussi d'avoir des échanges. C'est possible de prendre la parole, ensuite de ramener ces nouvelles-là au sein de mes membres, ce que je glane autour de moi dans les autres associations.